C'est l'un des 28 survivants du naufrage d'un chalutier dimanche au large de la Libye. Le dernier bilan officiel fait état de plus de 800 morts. Selon les témoignages des rescapés, les mauvaises manœuvres du commandant du navire surchargé seraient à l'origine de ce drame. Une tragédie qui a interpellé la communauté internationale. Les organisations d'aide aux migrants appellent à une prise de conscience collective. Comme cela arrive généralement, nous devons compter des centaines de morts avant d'éveiller l'attention du public sur un phénomène qui, depuis 20 ans et jusqu'à ce jour, implique en permanence notre pays, notre continent. Sur le sujet, nous n'avons jamais reçu de réponse coordonnée et attentive des institutions européennes. Les organisations appellent tout le monde à agir, à remettre l'humanitaire au centre du débat et à plus de solidarité. Grâce à votre soutien pour briser le silence, nous lançons un appel aux gens à travers le monde, où qu'ils soient, de faire ce qu'il faut faire, d'exercer leur humanité en répondant aux besoins des personnes. Malgré ces drames, les flux migratoires clandestins ne faiblissent pas. Un autre chalutier a fait naufrage ce mardi au large des côtes calabraises au sud de l'Italie. 446 migrants ont été sauvés, dont 59 enfants.